Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 155e épisode de notre Let's Play Station Years saison 4 sur Vénus. Et aujourd'hui, bah comme vous pouvez certainement l'entendre si je me mets en QWERTY, j'ai des trucs qui produisent parce que ça y est, ça marche. Mes appels fonctionnent, j'ai plus de bugs, j'ai tout corrigé, j'avais plusieurs bugs en fait, j'avais ce que j'avais repéré à la fin la dernière fois. Et oui, donc bonjour du coup XK, pauvre 10 mégas. Ouais, j'avais repéré du coup à la fin la dernière fois le fait que je faisais mon appel et j'acceptais mon appel comme la réponse, donc ça pouvait pas marcher. Enfin, je faisais mon appel. Mon IC de triage demandait à mon IC de request pour qui est ce lingot. Et cette demande-là, il la considérait comme une réponse. Donc ça ne marchait pas. Donc ça, je l'ai corrigé. Et ensuite, une réponse faite à un IC de triage suivant était aussi prise par le précédent. Du coup, j'avais mon stacker qui demandait pour qui est-ce qui reste à l'intérieur de moi là, après avoir donné la bonne quantité. Et en même temps, avait demandé l'IC de triage suivant pour qui je dois envoyer ce qui vient d'être stacké à la bonne quantité, il recevait sa réponse et l'autre prenait ça également pour une réponse. Donc j'ai rajouté des garde-fous pour empêcher que ça soit pris comme la réponse qui lui était destinée. Et je suis blindé de câbles, ça tombe très bien. Et puis en plus de ça, j'avais mis ma fonction d'ajout dans mon request IC, je l'avais mis avant mes fonctions de find, ce qui fait que du coup, après un ajout, ça faisait obligatoirement un find. Mais bon, en faisant tout ça, bon, j'ai corrigé ça, ça va plus vite, c'est pas non plus instant, hein, mais ça va quand même un peu plus vite, parce qu'au moins les appels peuvent se faire en parallèle, et puis c'est le tri qui va à sa vitesse max. Mais bon, ça a eu un effet, comment dire, j'y suis resté longtemps là-dessus, et du coup, j'ai plus trop de batterie. Ça descend beaucoup, beaucoup. Donc je me suis préparé quelques petits panneaux solaires, et plus beaucoup le jus. Quelques panneaux solaires, et on va se faire une nouvelle rampe, parce qu'on commence à l'avoir bien agrandie, celle-là. Enfin, les deux, là, elles sont bien longues. Donc, l'heure est venue d'en faire une nouvelle. Yeah ! Calme-toi ! Alors, j'avais quoi ? 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'écart ici. Donc, je vais venir me faire une petite... petite rampe à 5 blocs d'écart par là. Alors, juste... comment je vais pouvoir faire passer... power et data. Est-ce que si je le prends au bout... oui, je dois pouvoir faire passer mon power ici. Attention à ne pas me prendre une éolienne dans la tête. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et toi... hop. Et hop, c'est la nuit. Bien vu. J'en ai fait 10 en faisant un peu au pif. Alors, il me semble que je suis au bon endroit là. Oui, ça a l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Bon, bah tant que c'est la nuit, ça va me permettre de tout préparer pour qu'au petit matin, ça soit tout bon. Donc... ici, on va juste souder un coup. Si
si, il y a des tempêtes sur Vénus, mais pour le moment, je continue en solaire et je pensais éventuellement me faire une petite ferme éolienne un peu plus à l'écart et reliée par power transmitter maintenant qu'ils sont plus. Plus buggés. Je me dirais que ça. Je me dis que ça pourrait être une façon sympa de les utiliser, les power transmitters. Donc, ça c'est fait. Reste à faire là-haut. Est-ce que j'arrive à monter? Non, j'arrive pas à monter. Hop là. Hop là. Ok. Et bien c'est parti. C'est parti du mauvais côté. Patate. J'ai eu un bug un instant, je me suis dit, mais je suis du bon côté là ou pas? Non, je suis pas du bon côté. Ouais. À peine commencé, on coupe déjà. Alors j'espère que pour vous la qualité est pas trop mauvaise, parce que du coup j'ai réduit le bitrate avec Capo qui s'était connecté encore hier et qui pouvait pas voir. Donc j'ai remis un bitrate, le bitrate officiel de Twitch, donc 6 mégas. Et comment je vais passer? Comment je vais passer ici si je dois passer l'autre? J'aurais pas... dû souder ça. Parce que comme ça, là, je peux le passer normalement par là. Si je dis, je dessoute ça. Tu veux pas? Parce que l'éolienne bloque. C'est fort probable. Qu'est-ce qu'il faut pour te démonter, toi? Driver pour des... Ouais. Et ensuite... Non, wire cutter. Lire ce qui est marqué. Et ensuite... Oui. Toi, hop. Et wrench. Ok. Wrench, wrench, wrench. Voilà.
je te mettrai plus tard en faisant mon champ éolien, tiens. Touk. Et donc, là, voilà. Ça, c'est mieux. Ah. Alors. Tu vas rester là. Toi, je veux juste en mettre un ici. Tac. Et je te ressoude. Voilà. Ok. J'en ai pas fini avec vous. Mais à la limite... On est qu'au milieu de la nuit, donc ça va, j'ai le temps. Ensuite... Oui, au pire, je suis pas une nuit près, mais si je pouvais récupérer un peu d'énergie rapidement. Parce que 10 panneaux solaires, ça fait quand même un... oui, hop. Ça fait quand même une petite quantité, donc... Et en fait, là, il fallait que j'en mette un aussi. Oui. Donc non. Toi, non. Toi, par là. Toi, par là. Il fallait. Je peux en mettre un. Donc autant en mettre un. Est-ce que j'ai pris... Ah, j'ai pas pris assez de glass sheet. Ce qu'il me faut... 5 glass sheet par panneau. Et je n'en ai pas 5 par panneau. Oula, je suis un peu haut. Alors que le jour se lève. Et voilà. Et à la limite, je peux relancer 4 panneaux pendant que je fais mes glass sheets. J'ai même pas compté combien j'en avais fait. Mais... lancer un paquet de glass sheet. Si j'ai monté le jus. Ah, ben là, j'en ai plus du jus. Je vais pas faire grand chose, là.
Ah oui, je vais monter sur la branche là-haut, oui, il faut que je monte sur la branche là-haut. Mais... Glass sheet, bah vas-y, envoie-en une centaine. En parallèle. Solar panel heavy. Tu m'en fais 4. Et là, je sais pas pourquoi, c'est toujours Network Analyzer qui arrive en premier. Bon, ça charge, là. C'est déjà ça. Ah oui, toi, tu attends, du coup. Tu as reçu... Tu n'as rien reçu. Tu as reçu ton électrum. Tu n'as pas reçu ton acier. Et tu n'as pas reçu ton astroloï. Allô, la Terre, ici la Lune. Si j'avais encore deux stacks d'astroloïdes de 500, donc il n'y a pas de raison. Je vais le reforcer un coup, il a peut-être... C'est peut-être endormi. Au passage, c'est bon. J'ai pas dit s'il te plaît, c'est ça. Sudo. Mince. J'avais dit que c'était réparé. J'avais dit que ça marchait. Il a plus de 26. C'est quoi 26? Pourquoi il veut du 26? C'est l'acier? Il a plus d'acier? J'ai plus d'acier. Il a plus d'acier. Et il en a. Mais d'accord que 26, c'est l'acier? Non, silicone. Ah! Mais pourquoi j'avais demandé du silicone? Pourquoi aurait-il besoin de silicone?
bon, glass sheet. Et pourquoi j'aurais besoin de silicone? Ah, c'est vrai qu'il a plus de silicone. Il en a là. Oui, mais ça, il va pas vouloir tant que... Pourquoi il a plus de silicone? Je sais pas. Alors. Dans ces cas-là, on regarde. C'est 26 000 249. Il faut que je mette à 26 000 245. Il en voulait 2 pour la machine 4. Ok, il s'est raté dans son décompte et boum, ça suffit. Non, pas 5. 5, c'était avant. Non, c'est 6. Toi. Voilà. Et là, il y a tout le monde qui va bosser en même temps. Lui, il devrait recevoir du silicone. Alors, qui va bosser, qui va travailler en premier, je ne sais pas. Lui, il a reçu son acier. Il va recevoir son astrolœil. Lui, il devrait recevoir son silicone incessamment sous peu. Ok, lui il a reçu son astrolœil, il bosse. C'est plus rapide hein, quand même. Et salut Bourpif. Et salut David d'ailleurs. Et oui, je suis en retard sur le chat moi. Faut que je lise le chat plus... Toi, il est bien en cours de demande. Tu es bien en cours de demande. Bah ça y est, t'es arrivé. T'as mis un peu de temps. Il devait y avoir d'autres trucs qui étaient en cours de demande. T'es en train de bosser. Pour la question d'Exca, ouais, je fais un LR, l'eau de réagent. Hein? Sinon, ça n'existe pas le LB, l'eau de batch réagent. Et voilà, il m'a balancé mon deuxième. Ça, j'avais pas encore testé le de balancer plus qu'un stack. Donc, normalement, derrière, il doit y avoir encore 200. Sinon, comment ça se fait que la température et la pression ne bougent pas? Je crois que ma fournaise est buggée là.
J'ai pas de fuel. J'ai zéro fuel. J'ai que de l'air chaud. Et ma fournaise a un problème. Toi, du coup, tu m'as rappelé des trucs? Oui, tu m'as rappelé un peu d'acier par erreur, c'est pas grave. Pourquoi ma fournaise est bloquée là, comme bizarre ça. Elle a pas bougé d'un iota quoi. Voilà, elle bouge. Elle bouge, elle bouge plus. Par contre. Il va falloir que j'appelle 200 de silicone. Silicone, c'est le combien? Je pense que j'ai 200 de silicone qui sont pas arrivés. Est-ce que j'aurais fait une erreur sur mon code pour le traitement des minerais en particulier? Alors, silicone. 8. Va falloir que je reteste ça du coup. Donc, on lui dit 8, 200 pour la machine 2, demander. Tac. C'est demandé, c'est livré, ça va arriver. Ça devrait arriver. Ça arrive. Et toi, ah voilà, là tu bouges. Ouais, ok, elle était coincée. C'était pas plus mal, mais ça a processé plus vite. Donc ce silicone, tu purges, tu remplis, tu processes, t'en as 1 kilo. Combien déjà c'est 800? Je sais plus. Ou 700? Non, c'est 800 ou 900? Non, c'est 9, c'est 800. C'est 900. Allez. C'est ma fournaise automatique qui fait des siennes ce soir. J'ai une température d'entrée pas stable.
Voilà. Ça, c'est plus stable. Ouais. Elle devait être un peu cracra, pas bien purgée. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. On est la nuit. Mes batteries sont pas mieux. On est à quel moment de la nuit? Ok, on est en deuxième partie de nuit. Donc au final, c'est pas si mal. On va déjà finir de souder le bas. Sors. On va poser cette duo qui manque. Power ici, oui. Comme ça, je finis de souder ça. Comme ça, vous, je vous range. Vous câbler. Je suis une feignasse. Le soleil va se lever. Non, je suis sur Vénus. Vulcain, ça sera certainement la prochaine saison. Mais en même temps, comme je suis sur Vulcain dans le Let's Die, voilà, il y a des... La map, elle commence à tirer la tronche. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Ah, quoique, c'est juste de loin. Ça va. Où suis-je? Que fais-je? Bah, ah, je suis là. C'est pour ça. Ok. Bon bah voilà. Là normalement, ça commence à produire un peu plus. Bien d'ailleurs. Elle était encore cachée, donc zéro pour l'instant. Zéro. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !